Non, mais on savait que ça serait un match compliqué. Stade français, même s'ils font une saison un peu en dents de scie, ils ont quand même toujours des joueurs de haut niveau. On a vu leur réaction la semaine dernière aux Irish et on savait que ça serait tout sauf un match facile ce soir qu'il fallait. Voilà, donc on s'était préparé à ça. Je pense qu'on avait voulu vraiment mettre l'accent sur l'entame, on a réussi. Après, on fait quelques petites scories là, qui nous empêchent, je pense, de basculer à la mi-temps vers le bonus offensif. Et après, bon, on n'a jamais été, je trouve, trop en danger par rapport à la victoire du match. Mais c'est vrai que, du coup, à la fin, on aurait pu perdre ce bonus. Et sur la fin, ça aurait pas été illogique parce qu'on n'a plus trop maîtrisé grand-chose. Mais bon, ce soir, c'est un gros point positif d'avoir 5 points et de partir à l'esprit tranquille. On sait que derrière, on a deux déplacements qui seront compliqués. Donc voilà, ce soir, on est troisième, on est satisfait. J'ai dit quand on était 10e ou 11e qu'il fallait garder la tête froide et que ça allait finir par payer parce que franchement je suis très content de mon groupe, je suis vachement fier d'entraîner cette équipe, je me sens bien, je leur ai dit tout à l'heure, je me sens en confiance avec eux. Ça ne veut pas dire que tout va bien, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a une relation de confiance qui est en train de s'installer, je suis bien, moi, quand je suis bien avec eux, donc je prends beaucoup de plaisir à les entraîner, je prends beaucoup de plaisir à les suivre, hein. Je trouve qu'il y a des choses qui se mettent en place, comme je l'ai connu par ailleurs, et qui n'est pas facile à mettre en place, hein, dans mon fonctionnement. Aujourd'hui, je suis vachement content et en confiance avec eux, et très fier de leur travail qu'ils font, et des matchs qu'ils font, quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas des matchs faciles, quoi, à aborder, donc on le gagne avec le bonus, c'est une équipe quand même qui avait clamé haut et fort, qui voulait gagner chez nous, hein, donc ils en prennent, je sais pas combien, 30 ou 35, je sais pas, 30.